Et bonsoir les amis, alors voilà, je vais vous parler sincèrement. Les performances de mes trois bases vidéo de 8 minutes à 10 minutes, je ne peux plus la faire. Voilà, j'ai une famille et je prends trop de temps, et j'ai même pas le temps de m'en occuper en fait. Et avec le travail, c'est un peu compliqué, donc voilà. Donc je fais cette vidéo-là. Alors ce sera une vidéo intitulée Mes trois bases. Donc, je vous dis mes trois bases du Kinté, par exemple, aujourd'hui pour ce mercredi 22 septembre. Donc, c'est une vidéo un peu plus courte. Voilà, que je peux poster comme ça, sans montage, sans rien. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que c'est pas de moi, hein, mais voilà, je veux passer un peu de temps avec ma famille, ce qui est logique, hein, ce que vous comprendrez. Donc, les performances de mes trois bases ne sera plus un format comme ça l'était. Donc, là, je vais vous dire mes trois bases du Quinté Plus pour le Quinté de ce mercredi 22 septembre. Et je pense que je ferai des petites vidéos comme ça le soir, plus courtes, plus simples, en parlant, c'est beaucoup mieux. Donc, là, donc, mes trois bases, donc, ce sera pour la R1C4 à 13h50 à Amiens. Ce sera de l'atelier sur 2400 mètres, il y aura 14 partants et ce sera un départ à l'auto-start. Donc mon niveau de confiance pour cette course-là sera de 3 sur 5. Donc vous avez mon pronostic Quinté Plus sur la chaîne, donc dans la section vidéo. Donc pour mes bases, donc moi en favori, donc je vois bien le 11 JS Apollo qui sera drivé par Lagaduc, qui peut rentrer dans les trois facilement. Sa musique m'a bien plu. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc ce 11, moi je mettrai une belle petite pièce dessus ce mercredi. Voilà, je l'aurai dans tous mes jeux puisque si vous allez voir mon pronostic Quinté Plus, il est vraiment mon favori. Donc à la tête de ma course, je le vois gagner. Donc voilà, mon favori, je le mets souvent gagnant. Souvent, parfois ça marche. Donc voilà. Ensuite, ma base, donc ce sera sûrement le favori de la course, ce sera le 3 Stone of My Life, donc qui sera drivé par Verva. Alors le jockey Verva, j'aime pas trop, mais le cheval me plaît. Voilà pour ma base. Donc c'est un cheval qui peut rentrer largement en tête ou dans les trois. Donc par contre, il aura un petit rapport, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est vraiment le favori de la course et ce sera ma base. Mais voilà, c'est le jockey moi qui me pose un petit peu problème. Pour ce qui est de mon tocard, donc lui ce sera le 10 officier Stephen, donc qui sera drivé par Nivard. Lui par contre un cheval pas trop mal sur sa musique, qui tient la route, donc à voir s'il peut rentrer dans les 5. Donc, ce sera pas trop mal, je pense, s'il y arrive à rentrer, il sera sur un bon rapport, je pense. Et voilà, donc, officier Stephen, le 10, mon tocard, à surveiller. Donc, n'hésitez pas à le mettre un peu dans vos jeux, parce que voilà. Après, moi, je donne un conseil de jeu. Si vous me suivez, vous me suivez. Sinon, tant pis. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon pronostic Quinté Plus dans la section vidéo. Et nous, on se revoit demain. Ciao les potos!